Cœur hmm. il rien impossible. C'est pas c'est ok, ça part Non, à cause du proxy. Non. Ok. Et eh bien top. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce premier level up 2023 chez Max Digital Services. Euh, très content de vous accueillir pour ce superbe talk qui s'intitule Le talk que j'aurais aimé avoir avant de partir en mission sur NagS. Euh, C'est un talk qui s'adresse principalement aux gens qui débutent ou n'ont jamais fait de node. Donc peut-être que si vous faites du node de manière hardcore au quotidien, on vous n'avez pas. Voilà, euh, C'est plutôt pour, euh, pour rentrer dans la, dans la techno. Euh, petite question, juste vite fait, euh, en préambule est-ce que quelqu'un aujourd'hui fait du node dans sa mission ou dans son taf Eh bah très bien, en vrai, en vrai tant mieux. Ouais tant mieux c'est nickel. Je te laisse te présenter euh, BG. Ouais je commence avec, euh, euh, le petit bird sympa. Florian et c'est moi-même. Euh, développeur euh, chez Max depuis 4 ans, développeur en tout depuis 7-8. Euh, je suis en mission chez BPGO actuellement. Une équipe, une équipe très sympatoche. Euh, et euh, je suis partie des mêlées euh, tech, marketing et communication chez Max. Euh. Voilà, parce qu'on est des petites mêlées chez nous. Je t'en prie. Et moi, c'est Audreyne Burlo. Euh, je suis développeur node un peu par hasard actuellement, ce qui n'est pas pour me déplaire. Euh, chez Max depuis euh, bientôt trois ans, dans une semaine à peu près, je crois, deux semaines. Et actuellement en mission chez Hello Work, euh, au Mabilé, euh, pour qui je fais un petit peu de node, notamment, entre autres. Euh, je suis dans la mêlée euh, et à défaut de faire progresser euh, l'humanité, j'organise des LAN aussi chez Max. Euh, pour euh, le plus grand plaisir de ses collaborateurs. Un petit rappel des objectifs du level up. Donc la, tra la track level up, euh, ça consiste à donner un petit vernis technique, un premier vernis sur une techno. Euh, on en a eu sur, euh, sur une dizaine l'année dernière. Oui. Donc on n'avait pas fait note parce qu'il y a eu des naissances. Dans, dans l'équipe. Euh, avoir un retour sur la techno dans un contexte dit du quotidien, donc là pour le coup, euh, ce sera plutôt moi parce que petit problème au niveau. <rire> <rire> euh, échanger autour de l'utilisation afin de bien sûr level up tous ensemble. Euh, rapidement, si on a le temps de montrer après, on le fera. Euh, nous en interne chez Max, euh, notamment ce qui m'a permis de, de dire aux clients que j'avais fait un peu de notes, c'était qu'on en avait fait un peu en, en interne pour Max du coup. Euh, donc on a, un, on a un projet qui permet de ré régir un peu la vie de Max, ce qui s'appelle MaxLive, qui est écrit en, entièrement en SGS, donc qui est du, un backend en Node et un, un front Angular. On a un petit jeu 2D euh, qu'on a fait avec un collègue pareil qui est en, qui est en Node et WebSocket. On a du, du coding dojo euh, où il faut poser une petite fusée euh, euh, sur la lune avec du code qui est aussi en node. Avec Flo ici présent, on a donné une initiation websocket euh, à l'Institut Solacroup euh, en le septembre dernier, ouais. euh, etc. Donc tout ça, tout ça, c'était du node. Euh, même cette presse, d'ailleurs, est faite en node. C'est du Reveal.js. Euh, propulse avec vite. Au sommaire de ce talk, euh, dans un premier temps, un peu de storytelling, parce qu'on aime bien, euh, sur JavaScript. Euh, Puis la naissance de Node.js, comment ça fonctionne. Euh, on va créer un petit projet from scratch vraiment ultra basique, histoire de, histoire de voir comment ça se passe. Ensuite on parlera de ce qu'on fait 99% du temps avec Node en mission. Mais en vrai on aurait pu changer Node avec n'importe quelle technologie, que vous allez voir que c'est assez, assez simple. Euh, si on a le temps, je vous montrerai des exemples concrets de, de code que moi j'ai sur ma mission. Euh, on vous donnera des petits conseils en vrac. Ça fait plaisir. Et euh, une petite conclusion. Du coup, j'en gêne. Ouais. Un peu d'histoire sur JavaScript. Euh, JavaScript a été créé par ce mec qui s'appelle Brendan Eich. Alors bon, je l'ai la prononciation. Moi, je ne sais pas lire le phonétique sur Wikipédia, donc euh, nous l'appellerons Brendan. Euh, qui bosse chez Netscape communication en 95 par là et on lui a dit euh, euh, les pages c'est bien mais c'est pas assez dynamique il faudrait faire un truc donc le gars il est chaud en 10 jours il code un il code un truc ça s'appelle javascript pourquoi javascript parce qu'en fait euh, à l'époque euh, Netscape et Sun étaient maqués ils avaient des ils avaient des, des intérêts communs et ils se sont dit euh, au début le projet, le projet s'appelait LiveScript et si on a dit franchement Java, JavaScript, ça sonne bien et tout ça. Donc c'est parti sur du JavaScript. Malheureusement, euh, encore aujourd'hui, bah, les gens sont perdus en fait parce qu'on ne comprend, comprend pas le, le concept d'avoir mis Java devant le script. Puisque ça n'a rien à voir en fait, à part dans la syntaxe, ça ressemble un petit peu. Euh... Donc, euh, ce, ce magnifique euh, JavaScript est, est intégré dans le Netscape Navigator 2 qui sort en 96, si je dis pas de bêtises, mars 96. Et est un grand succès donc, qui, qui, peut, qui, permet à, qui contribue à l'adoption rapide de JS euh, dans, le dev, euh, dans le dev web. Euh, un peu plus tard, Sun se dit que ce serait pas mal d'en faire un standard. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de ECMAScript. Et en fait, l'ECMAS International, c'est l'European Computer Manufacturers Association. C'est une organisation qui est à Genève et dont le but est de créer des standards. Donc en fait l'ECMAScript et la, la naissance du standard ECMA 262, c'est en fait un standard qui a été fait par ces gens qui ont l'air de, de On passer des bonnes journées en tout cas. Et l'ECMAScript est décrit comme General Purpose Scripting Language. Donc en fait à partir de la, de la spec ECMAScript, vous pouvez faire euh, 1000 langages de script si vous voulez. Tant que ça respecte la norme. Et le JavaScript en est une notamment. Il y a d'autres exemples comme ActionScript, le truc qui était dans Flash notamment. Euh, Aujourd'hui, pour info, on en est à la 13e itération de la... du standard, qu'on appelle es 22 et la 14e en cours de dev. Donc euh, ne confondez pas les deux, ce n'est pas la même chose. Et bah, c'est tout en fait. Et donc, ce mec, Brendan, euh, en l'occurrence, euh, dès 1998, il, il bosse à la, à la création de, la, de Mozilla et de la Mozilla Foundation. Euh, après Netscape est racheté, etc. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Il sera nommé CTO de, de la Mozilla Corp en 2005. Et donc, euh, entre-temps, il, il fonde la Mozilla Foundation. Il a bossé notamment sur, euh, sur Rust euh, au sein de, la Mozi, de Mozilla Research. Il est nommé CEO de, de Mozilla Corp en 2014. Et il démissionne suite à une polémique parce que, quand même, euh, il avait fait un don à une, une organisation qui était contre le mariage pour tous. Enfin bref, c'était pas ouf. Donc ce mec, voilà. Mais euh, du coup, maintenant, il est CEO de Brave Software. Peut-être que vous connaissez ce navigateur. Brave, euh, ou pas, on s'en fout un peu. Donc pour résumer, à cette époque, JavaScript, qu'est-ce que c'est C'est un langage de programmation de, de script, de scripting. Ça s'exécute uniquement côté client, donc dans un navigateur pour le coup. Ça permet de rendre les pages web interactives, et c'est interprété par ce qu'on appelle un JS Engine. Donc là vous avez le JS Engine de Mozilla, qui était le JS Engine à l'époque de Netscape, qui est SpiderMonkey. Ouais. Euh, celui de Internet Explorer qui était Chakra, Chakra. puis après, en fait c'était V8 parce que Edge tourne aujourd'hui sous Chromium, et V8 qui est le fameux JavaScript Engine de Google. La naissance de Node.js. Je continue. Node.js fut inventé par ce mec, qui s'appelle Ryan Dahl, plus facile à prononcer. Euh, il a présenté son projet à la JS Conf EU en 2009. Et en fait, euh, ce mec-là, alors c'est un employé de Giant, qui euh, d'ailleurs est toujours le, le sous-groupe sur GitHub du code source de Node, euh, qui est une boîte qui faisait du soft, qui a été rachetée par Samsung en 2016. Et en gros Ryan, il s'est dit, euh, il était sur Flickr, enfin l'anecdote, et euh, il regardait le code source euh, de la page et il voyait que, le, que la page était obligée de faire des appels euh, HTTP récurrents pour euh, savoir le degré de progression de chargement de, de, son, de son image. Et il s'est dit, enfin selon la légende, c'est nul, et il s'est dit mais comment on pourrait faire un truc euh, qui serait genre je sais pas moi par exemple asynchrone et comme ça on n'aurait pas besoin de refaire des requêtes, etc. Un truc qui ne serait pas bloquant. Euh, qui pourrait être intéressant, qui pourrait gérer plusieurs connexions, etc. Donc il crée Node.js, et moins d'un an plus tard, en fait quelques mois plus tard, euh, un de ses collègues, ce mec, Isaac Schluter, euh, crée la première version d MPM, donc qui est le Node Package Manager. Bon, selon lui, ça ne sait pas ce que ça veut dire, mais tout le, monde a, tout le monde dit que ça veut dire Node Package Manager, ce n'est pas grave, euh, qui est d'ailleurs aujourd'hui euh, le mec en charge de Node, puisque... En 2012, Ryan euh, quitte l'équipe et dit non, mais Node, en fait, euh, j'en ai marre. Qui donne les rênes à Isaac. Euh, donc là, pour Fast Forward de nos jours, il euh, y a eu des forks, il y a eu IO.js, il y a IOAYOJS, etc. Bon, ils ne sont pas tout à fait d'accord euh, parce qu'il y en a qui trouvent que la direction est trop centrée au cœur de Giant pour un projet open source, ce n'est pas, euh, pas tout à fait quittable, bref, peu importe. Euh, en 2015 se forme la Node.js Foundation, qui permet de rationaliser un peu tout ça, puis euh, l'Open.js Foundation en 2019, lors de la fusion de la Node.js Foundation et la JS Foundation. Voilà. Et aujourd'hui, euh, d'ailleurs on est en retard, puisqu'on est en 19 maintenant, mais en septembre 2022, on avait la release 18.9. Enfin, donc en gros, Node, euh, c'est cross-platform, c'est open source, c'est un runtime JavaScript côté, côté serveur, côté back, et ça tourne sous V8, le engine de Google, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en gros, ça sert à exécuter du code JS en dehors d'un navigateur, un navigateur qui, historiquement, portait le runtime. <coughs> Est-ce que vous avez des questions Alors on avance. Ouais, te... En fait, c'était en fait PM, c'est un truc qui gère des packages euh, dans, un, dans des projets bash, je sais pas quoi et en gros le gars le N c'est pour Node et en fait, c'est le PM de Node. Mais PM en fait, si tu creuses, ça veut dire package manager. Donc en fait, le gars il trollait les il Oui, c'était un peu un troll col. Lui-même. Du coup, on va voir comment ça fonctionne. Quand même, euh, c'est pas mal d'avoir un petit intro comme ça pour, euh, pour voir ce qui se cache sous le capot, euh, histoire d'un peu comprendre euh, voilà, comment, comment Node fait que c'est Node. Du coup, on va voir euh, l'archi interne, euh, l'architecture interne de, de Node.js. Euh, donc, on l'a dit, il y a le moteur V8, euh, qui est une partie importante de Node, bah, en fait, parce que. Le moteur V8 fait que le code JavaScript va être compilé et c'est ce qui fait tourner en fait, notre code JavaScript. Mais on a une autre chose très importante. Il y en a d'autres hein, dans Node, mais une partie euh, très importante, c'est LibUV. Euh, donc ça c'est une lib C qui va en fait euh, permettre... Euh, bah, on n'est pas dans le navigateur, donc c'est ce qui va permettre de faire les accès euh, euh, à l'OS, donc euh, plus du bas niveau, euh, la lecture de fichiers, euh, les, les opérations de réseau, etc. C'est lui qui va gérer tout ça. Et il y en a d'autres. Euh, mais voilà, en gros, c'est plus pour, pour gérer tout ça. Et euh, il y a deux parties importantes dans LibUV c'est son event loop, qu'on va voir après, et les thread pools. C'est surtout l'event loop. Ouais. Et il y a d'autres. Euh, d'autres petites libres euh, pour faire euh, du parsing HTTP, euh, c'est HTTP, je crois, euh, des, re -re euh, des trucs pour des requests DNS, euh, du chiffrement, etc., de la compression. Et euh, on peut voir là sur, euh, sur ce schéma-là, si on schématise, on a d'autres codes JavaScript qu'on va écrire nous, notre JS le prend et euh, fait une tambouille pour, euh, pour que tout fonctionne. Donc, Comment ça fonctionne à peu près, j'ai piqué un schéma, j'ai pas mis la source là, mais normalement, on aura tout, tout mis sur le, sur le repo. Euh, on écrit notre code, notre code va être là. On va avoir une, une, des API Node, donc Node fournit des API pour qu'on puisse utiliser euh, bah, Node et tout ce qui s'ensuit, euh, le V8 et, et BuV. Euh, donc euh, la partie lib qui, est, euh, euh, qui va s'occuper de, 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 de récupérer notre code JavaScript, on va faire du binding. En fait ils vont passer le JS en C, C++. et euh, ensuite on va utiliser le moteur V8 euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, interprétation euh, euh, du code javascript, euh, des boucles for, des if else, tout ça, tout ça. Et ensuite on va euh, repartir sur du node, sur des API node pour ensuite euh, interroger euh, l'IBUV pour la majeure partie des cas, euh, pour qu'il pour qui gère euh, Notamment les opérations d'entrée-sortie non bloquantes, chose qu'on va voir juste après. J'étais un, un peu vite. Donc, le secret de Node.js, c'est un petit point intéressant. Enfin, je c'est important de le voir avant toute chose. C'est ce qui a fait que Node.js a été créé par Ryan Dahl à la base. C'est on peut faire des opérations d'entrée-sortie non bloquantes ou asynchrones. C'est-à-dire que tout ne doit pas être euh, bloquant. Quand on lit un fichier, par exemple, on n'est pas obligé de dire euh, Lis-moi un fichier, j'attends que tu fasses euh, ta tambouille, et, euh, et une fois que tu es prêt, euh, je, je récupère le contenu du fichier. Euh, et ça, pendant toute la phase de lecture, euh, je, je t'attends. Eh bien, ça ne marche plus exactement comme ça. Il y a des mécanismes qui seront non bloquants. Euh, donc, c'est l'idée de ce, ce schéma-là. C'est pour une opération euh, que ce soit. Pour du network ou pour de la lecture de fichiers, par exemple, il euh, y a l'appli, donc ça va être euh, le rôle de Libu, l'IBUV, justement, qui va envoyer au, au noyau, euh, j'ai besoin d'une donnée, euh, va me la chercher, le noyau répond, OK, je s'occupe, il prend à sa charge le, euh, la lecture de la donnée, et pendant ce temps-là, toute mon appli, elle peut encore tourner. Donc elle peut faire multi multi choses, c'est-à-dire qu'elle va potentiellement refaire la même chose avec d'autres euh, requêtes, donc elle peut enchaîner des lectures de fichiers, etc. etc. Et par exemple, on s'aperçoit que, euh, que pour une, une requête, ou 10, ou 100, ou 1000, ou 10 000, ça va être quasiment le même temps d'exécution, parce qu'en fait, on va demander à chaque fois euh, de faire une lecture de fichiers, et on récupère seulement à la fin le résultat. Et donc, comment ça, se... comment ça marche Node, LibUV et son Event Loop euh, Donc là, j'ai piqué un, un petit schéma à Bert Bettler. C'est un super talk sur justement euh, pour comprendre l'Event le... Loop et comment ça fonctionne. Donc on dit souvent que Node est single threaded, c'est-à-dire euh, qu'il n'a qu'un seul thread, et, euh, et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que il va avoir une boucle, on va avoir un code JavaScript, donc là, c'est. Imaginons l'index JS, bon, euh, si on découpe un peu son application, on en a plus, hein, évidemment, mais on a le, le code JavaScript, euh, euh, top, le top-level euh, code, comme on le dit, c'est-à-dire que tout, euh, tout no notre code JavaScript qui est dans l'index JS, il va, il va tourner au début, euh, tout ce qui est à plat va, va tourner, et ensuite euh, il y aura tout ce qui est euh, euh, système de callback ou euh, attente de requête HTTP, etc. Ça va, être, ça va être pris en compte par euh, l'event loop de l'IBUV. Et en fait, euh, on va avoir toutes les opérations qui vont passer par différentes phases. Donc, il y a des choses assez connues dans le monde du JavaScript, le set timeout, cet intervalle, qui vont permettre de euh, dire à, à JavaScript d'exécuter de, une action euh, à un temps donné. On fait un set timeout euh, de 1000 millisecondes et ça va être joué dans 1000 millisecondes ou un peu près. C'est-à-dire que si on est à cet endroit-là de la boucle, et qu'on a déjà passé cette timeout et qu'il y en a un autre qui, qui arrive. Euh, le 1000 millisecondes, il va être le temps d'une boucle, un tick plus 1000 millisecondes. Donc en fait, euh, si euh, si au bout de 1000 millisecondes, enfin euh, de 900 euh, secondes, on est arrivé ici, 900 millisecondes, on est arrivé ici. Euh, euh, et bien, il va il va il va pas attendre que le compteur se, se termine. Il va reparcourir toutes les phases et potentiellement quand on va arriver là, il va être à... 1200 millisecondes, etc. Et donc il y a différentes phases comme ça. Donc il y a pour les timers, il y a pour les entrées-sorties non bloquantes euh, ou bloquantes parce qu'il y, y en aura quand même, ou les charges CPU, etc. Ah. Ah. Évidemment il y a mot de passe. Pas de chance. faut attendre un peu. Ah t'inquiète. Et en fait on va passer par différentes phases comme ça et à chaque fois entre les différentes phases, dès qu'il y a du code JavaScript qui peut être exécuté un retour de promesse, un code JavaScript qu'on qu qu a dans le pipe, Node va l'exécuter à chaque fois. Donc il va attendre les timers, il va attendre les, les, les réponses d'entrée-sortie, euh, donc euh, un retour de lecture de fichier, etc., comme j'en parlais tout à l'heure, ou un retour de requête, et, euh, et ensuite euh, euh, d'autres phases. Alors euh, il y a le immédiat, euh, je ne vais pas... Euh, je ne vais pas décrire tous les, mais c'est pareil. Le close event, c'est par exemple s'il y a besoin de faire des fermetures de sockets, etc. Mais donc, voilà différentes phases, et à chaque fois qu'il y aura du code JavaScript d'exécuter. Toujours pas. Toujours pas. Et donc bah, si on reprend un peu le, le schéma de tout à l'heure, donc euh, j'ai un peu, euh... si on zoome dans ce qu'il y a euh, côté event loop, donc on est bien dans le single thread. On va avoir notre event loop libuvi, et à chaque fois qu'il y a une Requête HTTP, un timer qui expire, euh, un fichier qui vient d'être euh, lu, eh ben, euh, ça va te donner à, à LibUV et son event loop. Et ensuite, LibUV va avoir le rôle d'orchestrateur pour le placer au bon endroit et le prendre à la bonne phase. Voilà. Pour schématiser. Et on a les thread pools, j'en parlais tout à l'heure. Ça, ça va être euh, pour certaines opérations surtout. Euh, ça va être des opérations assez gourmandes ou des opérations bloquantes parce qu'il y en a. Et donc l'IBUV va pour le coup utiliser euh, 1, 2, 3, 4 threads. On peut évidemment euh, augmenter le nombre de threads euh, si on a besoin. Et on verra qu'on peut aussi les utiliser nous-mêmes dans notre code JavaScript. On ne va pas en parler en détail, mais c'est possible. Ça avancé. C'est avancé, voilà. C'est l'utilisation des workers threads. Et, euh, et c'est plus poussé. C'est fini. Là, on est bon. Ouais. Donc euh, J'espère que vous avez réussi à digérer ça. mais Ça pique un peu mais en gros ouais, ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a une event loop et Il prend les events comme ça vient et voilà, ça fait de l'histoire. Voilà, c'est des events, donc ça peut être du... de la synchrone et c'est comme... comme ça qu'on fonctionne. Euh, je fais une petite démo vite fait euh, sur comment faire un petit projet from scratch de base euh, directement. Alors attendez parce que là j'ai un problème technique. faut que je quitte le mode full screen. Hop. Hop. Il faudrait que je fasse ça en fait. Ça, je vais le mettre en ouais, c'est pas ouf ce que j'ai fait c'est pas grave. Euh... Ok, du coup je suis pas au top parce que <laughs> le truc est là, c'est pas grave. On va faire ça. Eh oui, ok. On va dire euh, talk euh, test euh... Allô? Euh, ok, donc là, je suis là, je me dis vas-y, j'ai installé Node. Oui bon je ne vais pas installer Node, mais vous trouvez Node facilement. Alors soit avec des gestionnaires de, de tout le kit, euh, soit en allant sur le site et en téléchargeant Node. Bon, je ne vous fais pas cet affront. Euh, ici je suis dans un dossier, il ne se passe rien. Euh, je me dis vas-y je vais commencer un projet Node. Le premier truc que je fais c'est que j'ai NPM qui est installé avec Node depuis Node. 6, et je fais un npm init, bim, donc là il me dit des choses, euh, on s'en tape, donc là il nous parle de package name, donc tout est package, dans en... enfin tout, tout, tout projet que vous créez à la base qui, compte, qui comprend un package JSON est un package, donc là on va, ne on va pas changer le nom, euh, il est en version 1.0 admettons, on peut mettre une description, c'est euh, le test, il, on a un tripoint par défaut. On, on, par défaut, il va créer un index.js. Euh, on n'a pas de test parce qu'on n'a pas le temps. Désolé, Gaël. Euh, git repo, pas encore, mais on pourrait l'indiquer ici. Euh, les keywords, donc là, on peut dire level up, ce que vous voulez. Autor, euh, c'est nous. Et la licence, euh, on s'en tape. Donc là, il nous dit, voilà, je vais créer un package.json. Est-ce que ça, c'est bien donc, Tu dis oui. Et du coup, euh, on a un package.json. Donc qu'est-ce que c'est le package.json Et eh ben, c'est un fichier .json qui contient les informations de notre package. <laughs> C'était sûr en fait. Donc là ce qu'on voit, c'est les trucs que j'ai définis. Et la partie euh, la plus importante pour l'instant, c'est ce truc script qui nous dit euh, qu'on a un script qui s'appelle test et qui écho ce truc-là. Donc si je, fais un, si je fais un npm run test, eh ben il n'y a pas de test. Donc euh, voilà. Là, je suis très très content et il me dit j'ai un entry point qui est index.js. Donc, si je fais npm start, ça devrait lancer mon index.js. Bah, en fait, il n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le créer euh, tout simplement ici. Hop, et là, si je fais note ça, j'ai pas, pas de script start, mais non, mais il me semblait que ça marchait direct. Non, notre note point, si je fais note point, ça npm point. Notre point, notre point. Ah oui voilà c'est ça. En fait mon entry point étant en index.js, oui pardon. Oui, c'est Mon est entry point déjà. étant index.js, si je fais notre point, il prend l'entry point qui est dans le package.json, etc. Euh, bon là il se passe rien parce que j'ai rien dans mon fichier. Donc on va mettre des trucs. Donc Node on a dit c'est des JS. Alors évidemment, vous pouvez faire du TypeScript, mais ça on en parlera un petit peu après. Donc si ici si, je mets un petit euh, console.log euh, coucou, par exemple. Prohibit mon gueule. C'est un de points je crois. Oui, pardon. Et que je fais un petit euh, node point, et eh bien, euh, eh bien, il dit coucou. Bon, là, il y a du blabla pour mon débugger, mais voilà. Voilà, votre projet euh, node fonctionne. Vous êtes développeur node, vous le mettez sur votre CV et vous accédez à la gloire et aux missions node le euh, plus vite possible. Euh, donc ça, c'est bien, mais euh, ce n'est pas ouf. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va parler un petit peu de la gestion des dépendances. Alors, je ne sais pas si on revient tout de suite sur le slide ou si je fais. Euh, parce que là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise euh, la lib, euh, on utilise JavaScript. Si on veut utiliser euh, ce qu'on appelle des packages, donc en, qui sont sur la plus grosse registrie au monde, qui est npm, euh, il va falloir les installer. Je peux faire, par exemple. Ouais, euh, donc, admettons, je veux utiliser un package. <coughs> Euh, typiquement, je veux faire du debug un peu plus propre que ma console, je vais installer le package debug. Donc, je fais un mpmi qui est le shortcut de install euh, debug, admettons. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Il va aller chercher le package sur registrer, il va me l'installer, terminé. Il s'est passé deux trucs. Il s'est passé deux trucs. Un, il me l'a rajouté à mon package JSON dans le, dans le truc dependencies, donc il m'a créé un truc dependencies. Deux, il m'a créé un fichier qui s'appelle package lock qui fait déjà 20, 25 000 lignes. Donc ce fichier, on en parlera après. Et il m'a créé également un dossier, le fameux El Famoso Node Module, euh, qui à terme pèse 25 gigas. Ce dossier il contient les packages dont j'ai besoin pour que mon application fonctionne. Euh, du coup, je suis là, je suis très content, j'ai installé mon package, et bah, j'ai envie de l'utiliser. Du coup, je vais, je vais aller le chercher. Alors, il y a plusieurs syntaxes, on va en reparler plus tard. Mais en l'occurrence, là, j'ai utilisé la syntaxe qu'on appelle CommonJS, qui utilise les Require. Et je vais chercher mon package Debug, ici présent. Alors, euh, il y a une syntaxe, je ne la connais pas par cœur, parce que je suis un gland. Mais je pense que c'est un truc comme ça. Et. Ah oui, alors je peux préciser un préfixe, je crois qu'il faut que je mette un préfixe. Euh, je vais mettre euh, Level Up que oh, c'est ça le préfixe Bon, whatever et donc en gros si je veux run mon truc avec mon ma, donc là normalement si je fais si je fais notre point il se passe rien de spécial Là, plus que coucou et si j'exporte euh, des bugs donc là c'est vous avez un, un exemple d'export de variables d'environnement on en reparlera aussi après euh, je vais mettre le up de point étoile euh, notre point hop et notre Ah mince, avance ce que j'ai fait comme bêtise Bon ça marche pas pas de chance. Mais en tout cas euh, voilà, c'est comme ça qu'on utilise le package debug. Allez merci à tous. Non, je rigole. Attends, je vais aller les chercher. <laughs> Tac. Donc là vous pouvez aller un petit exemple en fait c'était fait exprès. Vous pouvez aller sur euh, la registrie qui s'appelle NPMJS. Qui est très clair. Vous avez systématiquement en fait l'abstract que vous retrouvez sur les sur le repo GitHub le, le README. Donc là en fait debug qu'est-ce que c'est C'est juste un truc qui vous dit euh, euh, en combien de temps s'exécuter votre truc, euh, il peut mettre des petites couleurs sympas, comme ça ça vous permet de découper euh, d'un coup d'œil, vous voyez où euh, d'où votre log vient, etc. Nous, euh, le truc s'appelle debug, on l'utilise en prod parce que bah, c'est assez pratique. Bon, c'est peut-être pas une bonne pratique, mais whatever. <rire> <rire> euh, et du coup, non, mais j'étais pas trop mal puisque ce que j'avais fait. C'est juste euh... des avec un débug ah, un... et euh, ah, oui, écrire... ça. J'avais écrit un, un faux truc. Ah, voilà, ouais, Reviens sur ta commande, il y a un G minuscule, je sais pas si. Ah ouais, de fou. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, euh, typiquement, j'ai précisé un préfixe. Donc, admettons que vous êtes dans votre serveur HTTP, vous mettez HTTP, vous êtes dans votre client Redis, vous mettez Redis. Et comme ça, vous avez euh, votre préfixe, le temps d'exécution. Et il y a plein d'autres options. Bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de débug. Mais pour expliquer comment on utilise les packages. Donc là, c'est un package qui est très simple. Euh, vous en avez, euh, comme je disais, euh, WhatMill. Euh, typiquement, ce truc-là, il est téléchargé par semaine 210 millions de fois. Voilà. Donc, typiquement, il y a des attaques qui ont été faites où, genre, le mec a changé le code source d'une lib qui permettait de compter jusqu'à casque ou je sais plus quoi, et il a fait sombrer euh, les trois quarts des projets de notes de la planète euh, parce que bah il n'était pas, de... pas content et ce ouais. paquet était en dépendance de euh, tous les paquets ouais. de la Terre. Donc, ça, c'est un peu l'effet le... qui se coule, quoi, finalement, du, du, du bordel. Ouais. Euh, donc, voilà, pour revenir sur la presse. Ouais, je peux sauver cette sa tête. Euh, ça, c'était pour toi. Fais un petit. Euh... C'est quoi, c'est 12 Ouais. Non, c'est F. Très bien. Donc, la gestion de dépendance, bah, il en a parlé un petit peu. Hein. Donc, NPM, c'est. Donc, on a vu, c'est une clé qui permet évidemment de faire des NPM init, NPM install, etc. Ça génère des packages JSON. Et euh, NPM, c'est aussi. Euh, c'est aussi une registrie, donc il y a 1,5 million de packages à peu près. Donc c'est énorme. Euh, donc si jamais vous cherchez à faire quelque chose, quelqu'un l'a sûrement fait avant vous. Et mieux. Et, et peut-être mieux. Peut-être moins bien. <laughs> Mais voilà. Euh, on peut faire des, insta des installations pardon, globales, locales. Euh, locales, c'est ce qu'on vient de voir. Euh, ça va dans le dans non-module de votre projet. Et on peut faire des installations globales. Ça sert notamment par exemple pour les... surtout pour les clés qui sont faits en node. Euh, je pense à Angular, euh, tout simplement. Euh, Installé en directement, vous savez que vous, avez, euh, vous allez utiliser euh, la clé Angular, euh, bah, vous l'installez en global et ça va atterrir dans un de vos fichiers euh, euh, de votre user. Euh, euh, voilà. Et typiquement, npm est un fichier euh, est une dépendance globale euh, dans Node. Euh... On l'a vu rapidement pas dans le package JSON. Il, oui. il, il y avait un endroit où il y avait des dépendances. Donc dependencies, C'est ce qu'a fait Audren quand il a installé des bugs. Il a installé en dépendance. On peut installer dans des dev dependencies donc pour juste l'utilisation dev ou du test, etc. Dependencies, c'est plus pour tout ce qui tourne en prod. Et il y a les pires dependencies, Ça, c'est plus pour, on va dire les plugins. Euh, quand par exemple, euh, imaginons je prends le React React DOM euh, va avoir besoin de React pour fonctionner, sinon React DOM ne sert à rien. Donc il va le mettre dans son package JSON en peer Dependencies. Donc quand vous allez récupérer React DOM et, et que vous n'avez pas React, et sur, le, euh, sur le projet host, en fait, il va vous dire qu'il euh, manque quelque chose. Quoi. Rapidement, concernant les modules, je vous parlais de syntaxe CommonJS, donc ça c'est un truc qui revient très très souvent où personne ne comprend rien et alors que c'est très simple. En fait, qu'est-ce euh, qu'un module C'est un bout de code encapsulé dans un fichier exporté vers d'autres fichiers. C'est aussi simple que ça. Euh, Commonjs, c'est un, un système de formatting de modules, en fait, c'est un standard sur lequel on s'est mis d'accord sur comment on formate les, on formate les modules et qui utilise la, la syntaxe require donc que j'ai utilisé notamment avec des bugs. Et module export. Donc, le gars qui a écrit des bugs, il a écrit son code. Il a fait un module.export, euh, ce qu'il voulait exporter de sa lib, donc euh, typiquement la fonction des bugs que j'utilise et potentiellement d'autres fonctions. Et moi, j'ai juste à la require. Donc là, en l'occurrence, je require un package, donc j'avais un, un chemin. J'avais même pas de chemin, en fait. Je require mon package qui était présent. Il le résout grâce, à, grâce au package JSON. Euh, mais j'aurais tout à fait pu require euh, un, fichier de, un autre fichier de mon projet. Euh, donc ça c'est pour CommonJS et euh, ECMAScript module, c'est un nouveau standard qui a été du coup standardisé par l'ECMA le, européenne, manufacturer, ceci cela là euh, qui essaie de poser un standard pour toute la pour tout l'aspect module dans, dans les projets euh, du coup dits ECMAScript euh, du coup pour exemple donc on a vu un petit peu mais Admettons, j'ai ce truc-là dans mon fichier 1. Je fais un module export de greetings. Je peux tout à fait le require dans un autre fichier euh, avec un chemin euh, qui va bien, et je peux utiliser. Donc là, typiquement, je fais de la, je fais, de la, je fais du require sur euh, cette, euh, cet objet-là, mais mon module export peut exporter 10 trucs, et je peux ici require uniquement ce dont j'ai besoin, ou alors tout require sans les sans les curly brackets, là je récolterais un objet qui s'appellerait, je ne sais pas moi, greeting service et qui aurait, enfin, what -me, fonction, et je ferai un greeting service, point greetings, ou point ceci, point, cela. Donc ça c'est la syntaxe comme un JS et la syntaxe ESM, ça ressemble à ça, donc vous voyez du export et du import, euh, vous avez du export default, moi je parle pas, mais là typiquement vous êtes dans votre fichier, vous exportez une constante euh, inutile patate, et dans votre fichier 2, vous faites un import from, donc ça, si vous avez déjà vu ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, et après, console .log, vous réutilisez vos trucs, ça, ça marche exactement pareil. À savoir que euh, par défaut, Node utilise la syntaxe, pas, je dis de conneries, CommonJS. Euh, oui. Par défaut, sauf si vous précisez dans votre package JSON euh, que vous êtes en type module. Si vous êtes en type module, euh, il part du principe que vous utilisez la syntaxe avec MyScript. Voilà, c'est tout. C'est confusant euh, au début, on comprend rien. Il euh, y a des libs qui n'utilisent pas la syntaxe ECMA, mmh. il y en a qui l'utilisent, et donc euh, selon il faut utiliser Require ou import, c'est C'est de là d'où provient la majorité de la confusion. Mais bon. Euh... Et les, les modules ECMAScript euh, ont souvent on se terminent par .mjs, justement, ils précisent. Un... Tout à fait. Et Cjs pour les common modules depuis ouais. peu. Concernant le versioning, ah ouais, euh, je ne sais pas si on peut remontrer. Euh... Bah, il faut -tab, euh, Il faut échapper à toile ah. table. Euh, ce truc-là, non, ce truc-là. Là, tu veux bah, voir Tu ça peux montrer celui-là, hein. peu importe. Vas-y, vas-y. Celui-là ah. ou... ouais. OK. Euh, bon, là, il n'y en a qu'un. Donc, on. en fait, euh, vos dépendances, j'en parlais tout à l'heure, les dépendances, elles sont présentes ici. Il euh, faut savoir que... Vous allez là récupérer la version peut-être 4.3.4, mais vous allez voir que si vous mettez un chapeau, ou vous mettez un tilde, ou vous mettez un supérieur, etc., ça va changer la donne. Tu refais un tab si tu veux revenir sur la braise. Encore, encore, deux fois. Complètement. Et donc, euh, les versions, c'est assez classique. Euh, les versions de package, euh, c'est majeur, mineur, patch. Euh, voilà. Le la majeure, tout simplement, je vais revenir un peu dessus. La majeure, c'est à chaque fois qu'il y a un breaking change, euh, une évolution qui va casser un peu votre, votre package. Euh, tout simplement, on va passer à une version majeure supérieure, comme ça, le, la personne qui récupère votre package et une version majeure en plus, elle va savoir qu'il y, y a forcément des, des petites choses qui vont potentiellement euh, casser. Euh, les versions mineures, c'est pour les évolutions. Euh, Évolu les évolutions, mais qui n'ont pas de breaking change, et les patchs, c'est plus pour les petits fixes, etc. Euh, donc le chapeau, on le, on le voyait tout à l'heure, euh, c'est pour récupérer la plus haute version mineure. Donc euh, imaginons euh, donc il y a une, une méthode euh, NPM, qui est NPM Update. Si je veux faire un NPM Update sur un, un package et qu'il y a un petit chapeau, euh, ben, tout simplement, euh, ça va récupérer la version mineure euh, la plus haute. Voilà, donc si je suis en 1.3.1 et qu'il y a une version 1.4.6 qui existe, ça va me la récupérer. Euh, le plus haut patch, euh, c'est avec tilde. N'importe quelle version dessus, c'est avec le, les chevrons. Euh, on comprend facilement le reste. Hein. C'est la même version, euh, une version inférieure ou égale, etc. Il euh, et y a d'autres euh, petites choses. Euh, on peut combiner, euh, on peut mettre un intervalle, euh, mais bon. Et donc le package lock. Donc quand on voit le package lock au début, on se demande mais en fait t'es es qui <rire> <rire> Pourquoi t'es là quoi et, euh, et donc en fait c'est un truc qui a été ajouté à partir d'NPM 5, je crois, euh, et qui était présent euh, dans d'autres package managers justement. Euh, le fichier lock, euh, ça permet de garder une version exacte. Tu peux t'afficher si tu veux. Vas-y, continue. Vas-y, vas mec. Pardon. J ai, j ai, je sens que tu as envie de, de le montrer. Voilà. Ouais, ça peut être pas mal. En fait, ça va, euh, ça va permettre de garder une version exacte d'un package qui est installé. Euh, on, est, on travaille beaucoup avec des gestionnaires de versions comme Git, par exemple. Et on sait que le node module il peut euh, peser euh, environ euh, une vingtaine de, de gigas. Euh, donc on évite de le pousser. Donc euh, c'est à ça que va servir le package lock. C'est que quand on va pousser notre code avec notre package lock, euh, eh ben, le prochain ou la CI qui va récupérer les dépendances qu'on avait va récupérer exactement les mêmes dépendances, euh, précisément. Euh, et ça va jusqu'à euh, bah, la façon de récupérer, etc. etc. Altab. F. Clique, F. F. Mais je suis pas au... Cliquez, cliquez. OK. Pas de chance. OK, c'est bon. <rire> <rire> euh, on en est où L'asynchronisme. Alors, l'asynchronisme, parce que j'en parlais tout à l'heure, euh, enfin on en a parlé un petit peu, et je vais juste faire un petit exemple pour qu'on comprenne, qu comprenne bien... Tu, je trouve le projet peut-être. Attends, attends, attends je vais le trouver. Non, je vais que tu le Non, je pas, pas trouvé. Regardez pas, regardez pas. Ouais. <laughs> euh, tac. Euh... Ouvre-moi le projet. Euh, C'est quoi ton bah, truc Va bah, directement dans le FS example, limite. Tu m'ouvres ça, tu m'ouvres un petit code. Ok. Tech tic tech, on est bon. Alors je vais juste euh, présenter un... une version synchrone d'une lecture de trois fichiers. J'ai trois fichiers ici. Un fichier, euh... il voilà, y a data file 1, data file. <laughs> C'est du drôle. <laughs> C'est du drôle. C'était pour, euh, pour taper un peu de. Pomme s. Ah là là. Contre Z. <laughs> Pomme Z. Pomme Z. Pomme S. Mais frère, tu trolls. Pomme Z. Pomme S. Ouais. <laughs> ok, j'avais sélectionné le. s le, le Mac, j'avais je... <laughs> oublié. Euh, du coup, une version synchrone de la lecture de fichiers, c'est tout simplement. Voilà, je vais prendre une... une map. Merci, Gail. pour le timekeeping. Euh, je prends une map de. Le string euh, avec euh, le, nom, le nom des trois fichiers, je vais lire euh, pour tous ces fichiers avec la fonction fs qui est un paquet euh, compris dans, la, dans Node. Euh, donc on le récupère direct, il n'y a pas besoin de, de, le, de, de, de le mettre dans son paquet de JSON ou en dépendance etc. Et donc euh, je vais lire en synchrone et on va voir ce que ça donne, on s'en doute mais... Euh, C'est compliqué. <laughs> je trouve que c'est ça genre. Ouais. Et donc si je lance... Alors, juste pour parler des scripts, pardon. Euh, là j'ai fait des petits scripts justement pour lancer euh, la version synchrone, version asynchrone, les promesses, etc. On va voir après. Et, euh, et du test, mais on en parlera plus tard. Et donc euh, moi si je lance la version synchrone... Ça fait ce que ça prétend être, hein. c'est-à-dire que je vais chercher le fichier, je vais chercher à lire le fichier, je vais le lire. Et et, j'ai remis fail 3 mais. <laughs> c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, le principe c'est ça, c'est que en gros ça... J'avais deux fail 3, oui. C'est pour ça que j'ai trollé. Euh, mais donc euh... si je pas, tac. En effet, j'avais deux le 3. File 3 file 3. Monsieur là aussi, mais c'est pas grave. Je fais jamais de copier-coller monsieur. C'est pareil, c'est pareil. Mais oui, je vais encore me troller. Du coup, on l'a vu la version synchrone. La version asynchrone, ça donne quoi On utilise la fonction read file. Par défaut c'est asynchrone. Si on précise pas sync. Et donc ça fonctionne. On va lire le fichier et on va lui passer une callback. Pour, euh, pour afficher ensuite le, le résultat dans la callback. Donc, c'est une. Je vois rien hein, de ce que je fais. entrée. On est bon. Et donc, là, pour le coup, j'ai lancé la lecture de trois fichiers. Et euh, bon, le temps qu'il a mis, euh, j'ai lu les trois fichiers euh, juste derrière. Donc euh, on voit qu'il n'a pas attendu la lecture de fichier, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça se fait de manière asynchrone. Euh, là, juste, je voulais juste montrer qu'il y a différentes manières de l'écrire. Donc là, on passe par une callback euh, qui va contenir euh, l'erreur et, et la donnée. Il y a des promesses. Euh, donc Ceux qui ne sont pas familiarisés avec, les, avec euh, JavaScript, euh, c'est juste une, une promesse qui va nous dire si euh, on va faire un point zen et euh, et avoir la callback derrière. Et il y a une autre manière d'écrire, c'est les async et wait qui sont arrivés. Euh, ça fait un moment maintenant, mais voilà, on peut écrire du code à plat. Et ce qui va se passer, c'est que le code qui est en dessous le wait là, il va s'exécuter euh, comme dans un callback ou une promesse, c'est-à-dire qu'il va s'exécuter une fois que le wait a terminé. Je peux même euh, le montrer, c'est le même résultat. 1003, trois évidemment mais voilà ça revient même c'est juste différentes manières d'écrire ok alt tab ok euh... tu es dans un tu es dans un et ça va être euh... à toi ouais droite du coup ce que je vous disais tout à l'heure c'était euh, que vous ferez euh, sensiblement la même chose que ce que vous faites aujourd'hui, mais vous le ferez en node, et que euh, ce n'est pas bien compliqué. Euh, dans une grande majorité des cas, vous ferez des, des, des petites API si vous êtes dans des architectures qui sont plutôt microservices. Euh, nous, je dis ça, mais chez nous, on a notre gros projet, dont je parlais MaxLife, qui est développé avec Nest notamment, euh, qui, est un de, qui est un espèce de spring, euh, plutôt un Angular côté back euh, pour, euh, pour JavaScript. Mais vous avez certainement dû entendre parler... J'ai entendu parler de Express ou d'au moins Fastify, qui sont les deux trucs les plus utilisés pour faire des serveurs. Si vous en avez entendu parler, euh, avec un exemple, des petits exemples fournis par notre ami Flo ici présent, euh, là vous avez un serveur HTTP. Euh, tout ce qui est le plus simple sur la route, euh, sur Localhost, pour 4000, ça part. Vous avez la même chose avec Fastify ici. Fastify euh, utilise des hooks et utilise des plugins, mais c'est sensiblement la même chose. Euh, et ouais. vous avez plus, plus récent et plus rapide apparemment. Plus récent hein. et essentiellement plus rapide. Après, il y a énormément de, de middleware et tout qui ont ouais. été faits pour Express, donc qui est plus vieux, ouais. etc. Donc ça, vous, vous trouvez plutôt sur des projets qui, sont, qui, commencent à, qui ont commencé il n'y a pas longtemps, alors qu'Express, vous retrouvez si vous arrivez dans une émission et qui font du Node depuis 10 ans, il y a de grandes chances qu'il y ait des serveurs Express qui tournent et plus récemment encore. Nest, je peux montrer, y a Nest. Euh... Bah, Je ne sais pas si on a le temps mec. Ouais. Ouais. Mais Nest dans l'idée, ouais, c'est ça. C'est un peu l'Angular pour le bac. Hein, c'est similairement la même chose. C'est très modulaire. Euh, là, je n'ai pas mis de code parce que justement, euh, on voit que c'est directement dès qu'on lance, euh, dès, dès qu'on démarrer un projet Nest, on va avoir euh, déjà ces, ces cinq fichiers-là. Euh, et donc, euh, c'est sous forme de modules, il y a des contrôleurs, des services, euh, un peu comme du Spring, en fait. Et euh, ça fonctionne avec euh, TypeScript, et, et grâce au TypeScript, il y a de l'injection de dépendance. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'on injecte à la Angular, en fait, hein, tout simplement. Euh, et il faut savoir que NestJS fonctionne justement avec Express, enfin les deux qu'on a vus précédemment, Express ou Fastify. Euh, en fait, il englobe et il offre un, un cadre. Euh, euh, par exemple, Express se dit minimaliste. Euh, et euh, euh, vraiment, on peut écrire euh, une API comme ça en deux-deux. Euh, Nest avait de plus pour cadrer et pour avoir euh, peut-être une équipe projet un peu plus, euh, un peu plus cadrée, euh, comme on le voit entre Angular et React ou ce genre de choses. Euh, sinon, le reste du temps, vous faites des workers donc, des workers, c'est des machins qui font des trucs. Euh, pourquoi c'est fait en Node euh, quand on le fait en Node Parce que typiquement, Node, c'est optimisé pour faire euh, de l'IO. Euh, on dit des workers, mais il ne faut pas trop que ce soit des, des trucs qu'il faille calculer vite des, beaucoup de données, parce que Node est un peu nul pour ça. Par contre, pour écrire des machins, pour lire des machins, et pour envoyer des machins sur le réseau, c'est très rapide. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un problème technique dans mon slide, mais en gros, euh, là, je vous avais mis, <laughs> vous avais mis <laughs> des logos des trucs. Donc, en gros, vous écrivez sur votre file, vous lisez, vous écrivez sur votre file système, dans des bases de données, dans des, dans des, dans des storages type Azure, dans des brokers, dans du Redis, typiquement, si vous faites du cache. Et l'interface, je pourrais montrer très rapidement, l'interface avec, euh, avec Redis, se fait super bien. Et en trois lignes de code, vous avez un, vous avez un client Mongo, un client Postgre, un client Redis. Et vous écrivez, vous écrivez vos trucs dedans. Euh, vous allez avoir besoin de charger des variables d'environnement comme dans tout projet qui se respecte. Euh, c'est toujours un peu euh, le bordel, mais il y a ce projet qui s'appelle Dotenv qui est globalement utilisé dans beaucoup beaucoup de projets que vous allez certainement voir, qui utilise l'enflow. où en gros le concept c'est vous avez un fichier .env qui à la racine de votre projet. Qui contient, euh, c'est un fichier plat toutes euh, les valeurs qui contient la, la liste des variables d'environnement qu'il faut pour lancer votre, euh, votre projet. Euh, c'est un, un fichier que vous n'allez pas versionner parce qu'il va certainement contenir, euh, admettons, vous testez des trucs euh, sur votre pré-prod, vous avez votre mot de passe de base de données de pré-prod, vous avez ou de la prod même si vous êtes un peu chaud, euh, un truc que vous n'avez pas envie d'avoir sur votre, enfin euh, en clair plutôt. dans votre code. Une bonne pratique de ça, c'est que vous avez un, vous avez un point point template ou point point, euh, point data euh, à côté qui lui, que lui vous versionnez, qui décrit uniquement le, les variables d'environnement dont vous avez besoin, avec euh, égal rien. Et comme ça, le gars qui récupère le projet, il sait que ah, ok mon projet il a besoin euh, d'une URL pour mon Redis, d'un mot de passe pour ma base de données, etc. Ce que fait c'est qu'il prend le fichier plat et il injecte tout simplement euh, toutes les variables dans l'environnement. Et les variables d'environnement en node, elles se récupèrent comme ça. Faites un process.enf.popiette et euh, directement vous avez valorisé votre variable. Ce que j'ai passé vite fait, c'était la deuxième façon de faire euh, que vous verrez euh, tout le temps. C'est via votre CI. Donc, nous on utilise GitLab, mais c'est la même chose avec GitHub. Euh, vous positionnez vos variables, que ce soit à l'échelle de, bah, de votre job, de votre groupe, de votre sous-groupe, etc. Et de cette manière, euh, dans les deux cas, avec process.env, vous récupérez vos variables d'environnement. Ce que vous verrez souvent, c'est que vous avez un service de config euh, qui, au démarrage de l'application, soit va lire votre fichier .env s'il si détecte que c'est exécutant local, euh, soit il fait autre chose et il va nourrir euh, un, un objet JavaScript que vous aurez dans votre application qui contient les différentes variables d'environnement et vous ne faites pas des process.env partout, vous faites, votre, vous faites un require sur votre config service et derrière c'est un config.get euh, bddurl ou j'en sais rien quoi. Un peu comme vous feriez avec un avec Spring, avec un application properties ou euh, les je ne sais plus comment on fait App settings, euh, les App settings de, de C -Sharp. Enfin de .NET. Euh, vous allez également gérer des erreurs. Donc en fait c'est de la syntaxe Java, euh, à part qu'on ne fait pas des trucs bizarres, mais euh, là admettons j'ai un truc qui pète. Euh, je fais un catch. Alors oui, bah, là c'est en JS, donc c'est pas typé. Et bon ça c'est la lib debug qu'on a utilisé tout à l'heure. Vous pouvez re des erreurs avec cette syntaxe-là, sachant que vous pouvez carrément faire un throw une string, et JavaScript il est en mode « très bien, on part sur ça euh, ». Après vous faites ce que vous voulez, vous gérez, vos erreurs, euh, vous gérez vos erreurs comme ça. Il y a un truc qui est important à retenir, c'est que euh, vous allez avoir très souvent des warnings euh, « unended promise euh, rejection ». Donc en gros si vous faites ça, là vous faites un await, donc c'est la syntaxe donc dont parlait flow euh, pour les promesses, donc là vous avez votre, votre client Mongo qui va récupérer des trucs de manière asynchrone. Si vous ne gérez pas le cas d'erreur, ici, euh, il va vous engueuler. Même si ça ne pète pas, euh, il peut vous engueuler et même si ça pète pas, il peut vous engueuler et ne pas démarrer selon le niveau de strictness de votre, euh, de votre, de votre node. Donc en fait, euh, si vous avez ça, il faut systématiquement le gérer euh, soit, avec un, soit avec un callback, le callback catch des, des promesses soit avec un bon vieux try-catch des familles. Et là vous vous prémunissez de ce truc là qui va polluer potentiellement votre, votre stack, vos stack traces si ça pète et au pire qui va juste pas démarrer votre, votre programme. Euh, concernant le, la, la, la fin de process, il y a tout un tas de codes de sortie. En gros si c'est pas zéro c'est qu'il y a un problème. Et typiquement, fermer de manière proprement votre, euh, votre application Node. Vous faites un truc comme ça. Vous pouvez gérer le cas kill aussi si, si vous vous attendez à ce que votre truc se fasse killer par euh, par un cube ou par je sais pas quoi, un ops un peu énervé. Et c'est là où vous, vous ou vous, vous fermez proprement toutes vos connexions, donc euh, de, manière, euh, de manière asynchrone, euh, enfin typiquement de manière asynchrone, euh, si vous êtes connecté à votre Redis et que vous êtes en train de batcher pour euh, pousser euh, de, un million de clés de cache, ou vous êtes en train d'écrire un gros truc dans Mongo, euh, comme ça vous vous prémunissez d'avoir des données qui sont, qui sont pétées. Ça roule, c'est tout simple et ça mange pas de pain. Et ça c'est le process, c'est votre process node. Hein. Les tests. On a une petite partie ah, si sur les tests. On va en parler rapidement. On va faire très rapidement, du coup, je pense. Il euh, y a plusieurs euh, libres pour faire des, des tests euh, dans Node. Il euh, y a Gest qui, qui est une des plus connues et des plus utilisées maintenant euh, parce qu'elle est pas mal, elle regroupe un peu de tout elle coche beaucoup de cases. Euh, certaines libres sont obligées d'en de, 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 prendre d'autres pour faire les expects qui vont bien etc etc, Jest a à peu près tout et il y a un autre truc qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est Vitesse avec euh, l'arrivée de Vite euh, qui est euh, encore plus rapide, euh, qui a besoin de moins de configuration etc donc je vous laisserai jeter un coup d'œil là dessus euh, pour ce qui est de la syntaxe tu peux vite fait tu hein. peux vite faire. Euh, c'est quoi c'est le projet Ouais il y a juste euh Vas-y ouais. vite fait en vrai ça ça mange pas plein. Euh, faut que tu quittes le mode euh, Parce que là tu partages plus. j'applique Ouais je suis dessus. Ouais c'est bon. Ok. Euh, C'était pas celui-là du coup. Pas celui-là. Attends. Tu me l'as fermé Non, non, mais il faut faire ça. Ah oui. Putain, oui. Hop. Euh, pas du tout, ça c'est mon projet euh, bah de ma mission en fait. Tac. Oui c'est magnifique. Euh, c'est pas ça qu'on voulait voir. <laughs> <laughs> non, il voit rien, ça marche pas. <laughs> euh, tac, 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 tac. Tu vois On n'est pas dedans là FS Example Ah si, d'accord. Vas-y, mais il fait un code point en fait. Lui, ouais, je vais faire un code point ici. Ouais, Hop, un code point ici. Faut que tu le déplaces, mec. Putain, est... Désolé, c'est un peu galère euh, le partage là. C'est à droite. Ce qu'il y a ouais. en plus, vous allez voir, vous allez croire qu'on Tranquille, okay. tranquille. J'ai fait un mini-exemple. Hein. Euh, Tic-tic-tic. C'était FS, non Je crois que c'était dans FS. Ah, c'est dans FX. FS, exact. index.s. Like. Euh, si on regarde le package JSON, j'ajoutais geste, euh, qui est ici, qui est en version 29 et quelques. Qui en dev-dépendance En, dev en dev C'est un truc que vous allez utiliser pour lancer les tests, vous n'en sais pas de test en prod, vous n'avez pas besoin. Ça n'embarquera pas euh, la dépendance. Voilà, ah, Et j'ai fait euh, donc si on regarde mon index.js, j'ai fait une fonction, euh, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait un module export de ma de ma fonction et du coup je peux euh, l'utiliser dans d'autres euh, parties de mon app. Là c'est pour les tests. Euh, donc pour ceux qui ont jamais fait, il y a un describe, les tests, il y a des before all, des before each, euh, voilà on peut préparer toutes les un peu comme dans toutes les libres de test, finalement. Et, euh, et là, je fais juste un expect, euh, je fais mon, mon read files, et à la fin, j'ai euh, euh, data file 1, file 3, évidemment, et file 3. Hmm. Sachant que cette syntaxe, vous la retrouverez euh, aussi dans un autre framework de test qu'on n'a pas mis là, mais qui est très utilisé, qui s'appelle Mocha. En général, quand vous faites du Node, vous avez soit du JET, soit du Mocha, et peut-être plus récemment, du Vitest. Donc Je vais t'envoyer fait, cet exemple. Là, si je fais un npm run test, pour que vous voyez un peu... Il ouais, faut que tu l'installes du coup. Mais je vais pas, ouais. Donc là il vous dit command notre found parce qu'on n'a pas installé, on n'a pas run le npmi euh, au sein du FS Example. Donc là il lit le package JSON, il dit ah ok as besoin de Jest, j'installe Jest. Il nous insulte parce qu'il nous dit que le package lock a été créé avec une ancienne version de npm. et bon et du coup il fait des trucs bizarres et après il s'en sort. Ça. Et voilà, donc là j'ai le résultat de mon test. S'affiche sous cette forme, euh, c'est passé. On peut mettre plus de détails, euh, on peut euh, mettre ça dans un fichier HTML euh, qui s'affiche euh, de toute beauté. Euh, voilà, il y, a plein de, euh, il y a plein de façons de faire, mais bon, la syntaxe est à peu près la même pour pour tous les tests côté node. J'ai l'impression qu'ils sont, qu sont un peu mis d'accord. Yes, tu va, je crois. Euh, tac euh, et donc pour finir euh, je pense qu'on va pas avoir le temps parce qu'on me dit qu'il me reste 15, 10, 15 minutes euh, peut-être à la toute fin si on a le temps mais bon je préfère finir avant rapidement ouais. euh, du coup quelques conseils en vrac euh, des trucs que vous pourrez constater euh, tout d'abord vous avez un mode production node il a une la, comment dire la norme, c'est d'avoir une, une variable node env qui contient l'environnement le, de le runtime de votre node. Si vous spécifiez un, 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 une, un node env production, node il, implicitement, il vous fait des trucs en plus. C'est-à-dire qu'il vous, vous élève votre niveau de cache, il vous baisse votre niveau ouais. de log, et il fait des petits trucs. Et il y a plein de libs qui, en fonction de cette variable-là, vont avoir des comportements qui sont différents. Donc ça, c'est important de regarder euh, typiquement euh, quand vous installez des packages euh, et que vous vous rendez compte qu'il se passe des trucs en prod et qu'il ne se, qu se passe pas des trucs en prod alors que ça se passe sur votre poste, typiquement. Euh, ça peut être une des raisons. Euh... NPX, ouais, je voulais en parler. Vas-y. Euh, J'aurais pu le montrer juste après, mais je vais juste montrer... montrer la ligne. Euh, là, typiquement, je fais un NPX. Donc NPX, ça fait partie de la clé euh, NPM maintenant. Si je n'ai pas une librairie d'installer, enfin une dépendance euh, dans, mon, dans mon autre module ou en global, euh, je peux faire un NPX euh, Live Server. Ça va chercher justement chez moi. C'est pour exécuter des packages. Hein, donc euh, ça va chercher chez moi euh, dans mon pass. Euh, ça, va, ça va chercher dans mon projet. Et si ça ne trouve rien, ça va chercher carrément sur Internet. Et euh, par exemple, si je fais un NPX Live Server, ça va récupérer, euh, récupérer le, le package Live Server et ça va me lancer un. Un serveur HTTP, euh, voilà, en ligne de commande, j'ai pas eu besoin d'installer quoi que ce soit dans le package euh, JSON ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. ça c'est très pratique. Euh, moi, j'utilise le Npx redis-cli si je veux parler à mon Redis. J'ai la flemme d'installer une cli, je fais un Npx, NPX redis-cli, je lui file euh, des paramètres, je connecté à mon mmh. Redis et fin d'histoire. C'est moins RSE si on utilise toujours euh, la même cli. Et que... <laughs> oui, non, mais... <laughs> voilà, mais euh, c'est un le... petit package complètement. <laughs> Euh, NVm euh, donc pour, pour gérer les, les versions de Node, Nvm qui est, qui est pas mal euh, donc ça permet de, euh, de gérer ces versions de Node. avec NVM, vous pouvez installer une nouvelle version, utiliser une certaine version etc et vous pouvez même mettre un point NvmRC je crois sur, par exemple sur un projet pour euh, que euh, tout le monde enfin chaque fois que quelqu'un arrive sur euh, votre projet, euh, euh, il ne se prenne pas la tête, euh, il a la version de node euh, que vous utilisez. Il y a également Volta. Euh, là, c'est vraiment. C'est vraiment justement pour la, pour la gestion de, de version de node sur les projets, c'est vraiment cool. Parce que Volta, il vous fait un Volta PIN, euh, votre, votre version de node, euh, node V12, et ça va vous rajouter carrément la version de node dans votre package JSON. Donc, ça va rajouter. Euh, euh, la version de Node et euh, bah, vous poussez ça sur, euh, sur votre repo et quand vous récupérez la, la version de... projet enfin le projet, faire, le projet bah, la version de Node que vous allez utiliser, c'est celle qui est sur le projet, si vous utilisez Volta. Il voilà, faut que tout le monde utilise Volta, mais voilà. C'est super rapide. Nodemon, tu Nodemon, c'est un petit outil que, qui est très utilisé pour le dev. Euh, c'est juste un truc qui va vous permettre de faire du rechargement à chaud. Donc dans 95%, vous, dans 95 des cas, vous voyez du mode sur les, sur les projets BAC. Euh, ça fait la même chose que Node, c'est un Wrapper. Et on peut lui préciser, euh, admettons euh, je dev sur un truc je ne veux pas que quand je modifie un fichier .json bidon dans mon projet, il recharge tout. Par contre, dès que je, dès que je modifie un fichier JS ou TS ou, ou un fichier précis dans tel dossier, je veux alors un redémarrage à chaud de mon application. Euh, juste après, j'en parle, je crois. Euh, oui, si vous faites du TypeScript avec Node, il y a un truc qui s'appelle TSNode. Euh, C'est un wrapper de, de Node avec euh, la gestion de TypeScript. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous pouvez exécuter euh, du code de TypeScript directement. Vous n'avez pas à le transpiler en JavaScript puis à exécuter le JavaScript avec une commande Node. Euh, vous, utilisez du, vous utilisez TSNode pardon, euh, et, euh, et ça le fait pour vous, sachant que NodeMon. Par défaut, il, a, il embarque TSNode. node cest c'est-à-dire que si vous faites du nodemon sur des fichiers te, uh, TypeScript, vous n'avez rien à faire, et nodemon fait le redémarrage à chaud et les changements à chaud euh, de, de, de votre code TypeScript, ce qui est très très pratique euh, quand vous codez en TypeScript, euh, en local, et que, bah, et que ça prend 15 ans, et il, est, il, est, il, est, il est très opti pour, euh, pour recharger que les parties qui sont intéressantes, etc. Donc TSNode. Euh, un truc qu'on a utilisé avec Flo pour vous oui. présenter ce, pour vous faire ce talk, c'est le roadmap Node.js. Je peux y aller vite fait. Euh, c'est un truc qui vous fait, le, qui vous fait entre guillemets l'arborescence, la, la liste en fait des trucs qui, vous, qui fait de vous euh, un moderne Node.js développeur en 2023. Donc il y a pas mal de trucs. On s'en est beaucoup inspiré. Euh, si vous avez dans l'optique de progresser, euh, faut pas tout lire, mais il a, y a beaucoup de trucs dont on a parlé qui se retrouvent non. ici. Typiquement, là, vous voyez les, les frameworks. Les flèches euh, vertes, euh, oui, les choses à savoir. Euh, de Et base. Il y a une petite, euh, y a une petite euh, légende ici. Et euh, Super intéressant, c'est bien fait. Et c'est assez concis, je trouve. Et voilà, vous avez tout, à peu près tout ce dont on a parlé. Euh, tac, donc ça c'est cool. Euh, là il y a un problème de chargement d'image parce que j'ai pas eu le temps. Mais un des conseils c'est faites des trucs fun au début si vous voulez commencer. Euh, nous typiquement ce qu'on a fait, euh, ouais. je peux vous, vous montrer vite fait, mais euh... c'est ça non ça, ça, certains d'entre vous l'ont certainement déjà vu, mais ça c'est ça c'est écrit en Node. Le front c'est fait avec un, une petite lib, une petite lib de Phaser JS. Et euh, c'est un petit jeu multi où on peut discuter euh, euh, si on se trouve dans la même pièce, on Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est l'agence. Si vous n'avez pas remarqué, c'est que j'ai pas très bien fait mon taf. <laughs> et, et tout ce truc là, le front c'est du phaser et le back c'est entièrement du node avec du websocket pour la communication. Et, euh, et donc mmh. voilà. Euh, je n'ai pas trop le temps de vous montrer mais on a fait d'autres trucs. Bon bref, euh, je peux vous montrer éventuellement. Euh, c'est quoi c'est le life ça, ouais, ouais. ça c'est un truc qu'on a dev aussi, enfin, qu'on a dev communément euh, chez Max. De, Je sais pas pourquoi il galère. De l'angular et du nest. Donc là, ouais, ça c'est en est nest. Ça c'est le truc qui qu'on utilise, euh, bon, pour plein de trucs. On essaie de le faire de se faire vivre sur le temps qu'on a chez Max et qui est pareil écrit entièrement en node du coup, avec Nest, qui est un peu plus cadré, qui est plus simple à utiliser dans, dans le mmh. cas où euh, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'intervenants sur le projet et qu'il faut un truc qui, qui cadre un peu. Donc, c'est un peu plus lourd euh, à démarrer et à comprendre comment ça se passe, mais une fois qu'on est dedans, est, on est comme à la maison, surtout si on a fait du Spring. Euh, voilà. Et surtout, ne vous prenez pas trop la tête, parce que Node, c'est dans l'écosystème JavaScript, et l'écosystème JavaScript, ça fait peur, parce que. Tous les 3-4 matins, il y a un type qui se lève et qui décide de tout changer. Et ça, typiquement, c'est un peu effrayant. Globalement, moi, je suis intervenu sur des projets là, qui tournent en prod depuis euh, depuis 7 ans. Ils sont dans, il y en a qui sont dans des versions de notes genre 8 et tout. Euh, eux, ils font, du, ils font du bise, ils font de, de la monnaie. Ils n'ont pas les dernières versions, ils n'ont pas les dernières libres euh, incroyables en 0.0.1 euh, ultra du futur. Donc, euh, faut. Souvent ce que me disent les gens c'est que moi ils me disent ça va, mais ça va trop vite, il y a trop de trucs. En fait, euh, bah, like, voilà. si je peux vous donner un conseil. En conclusion, pourquoi c'est bien Tu veux faire pourquoi c'est bien Je peux faire pourquoi c'est bien. <laughs> L'asynchronisme, euh, bah déjà d'emblée ouais, euh, on en parlait, c'est ce qui fait la force de node. L'asynchronisme et les entrées-sorties euh, asynchrones, etc. C'est ce qui fait la force de node. Euh, c'est du JS. Euh, donc euh, aujourd'hui, en tant que développeur, si vous êtes un développeur full stack, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances que vous fassiez du JS côté front. Euh, c'est devenu un peu le. Euh, bah, c'est forcément le cas, on va dire, quasiment. Euh, que ce soit avec du React, du Vue ou, du, ou de l'Angular, pour les, pour les plus gros. Euh, NPM, c'est quand même pas mal. <laughs> Euh, c'est une énorme enregistrie, donc il y a vraiment mais, moult choses. Et, euh, et euh, la clé n'est pas dégueu, ça évolue, ça évolue dans le bon sens, euh, c'est quand même pas trop mal. Et une communauté extrêmement active, euh, Note, c'est euh, ultra populaire. Et donc, euh, écosystème florissant. Oh, je me suis craqué sur le dernier. C'était pour mettre des fleurs. Ouais, c'était pour les fleur. Je <laughs> ne savais pas quoi faire. Pourquoi c'est moins bien euh, Pourquoi c'est moins bien bah, On va passer au slide d'après. Non, je rigole. En fait, <laughs> pourquoi c'est moins bien euh, Typiquement, je le disais tout à l'heure, euh, si vous avez beaucoup de... Si vous avez... Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pas du tout. Non, euh, pas ça. <laughs> Si vous, voulez, vous avez besoin de scale, comme disait Flo, si vous faites du Node de manière, on va dire, simple, vous faites pas, vous êtes mono threadé, vous ne faites pas de, de child process, de worker thread, etc., donc euh, en gros si vous avez beaucoup de trafic bah, il vous faut plus de pods quoi. Vous, pouvez, vous faites pop des pods et puis bah fin de, fin de l'histoire. Mais ça veut dire que ce n'est pas forcément ultra RSE euh, de ce point de vue-là. Euh, même si c'est opti, surtout si vous faites de l'IO. S'interface euh, avec des BDD relationnels, nous on l'a fait sur Nest. Heureusement qu'on a utilisé une lib s'appelle Type ORM, qui est un, un ORM qui justement euh, permet de respecter un, un typage fort, ultra fort pour pas faire n'importe quoi. Euh, typiquement, euh, vous vous interfacez avec un Mongo. Un Mongo, c'est des collections de documents. Les documents, c'est des fichiers JSON. Boah, vous vous embattez euh, littéralement les steaks. Hein. Vous poussez des trucs, vous les cherchez. Si ce n'est pas typé, euh, vous avez un, un, un readme.md euh, à la racine de votre projet qui dit euh, dans tel euh, document, c'est tel truc, et c'est gagné. Avec des BDD relationnels, vous ne pouvez pas trop faire ça. Et <coughs> vous avez de grandes chances de faire n'importe quoi, de pousser n'importe quoi et de ne pas comprendre pourquoi vous n'avez pas vos données. Donc ça, il faut être euh, vigilant. Euh, la syntaxe. Async-await, euh, c'est la même chose que les promis, c'est la même chose que les callbacks, enfin la même chose. C'est ouais. trois façons d'écrire un truc, euh, la même chose. Mm. Et, et surtout, la gestion d'erreur avec l'async-await, au début, c'est un peu le bordel. Donc ça, c'est le, le cas avec JavaScript aussi, mais c'est plutôt une, une question de JavaScript. Mais je sais que moi, j'ai mis un certain temps avant de comprendre comment ce truc-là, ça marchait. Je sais qu'il euh, y a à peu près la même chose avec quasiment la même syntaxe en .NET, je crois. Et ça, ça m'avait aidé à comprendre comment ça fonctionnait. Mais de prime abord, ce n'est pas mmh. tout de suite évident. Et donc, quoi, ce que je disais, euh, ce n'est pas très rapide pour tout ce qui est calcul. On l'a vu typiquement, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait euh, l'Advent of Code euh, cette année ou l'année d'avant. Je ne sais pas si vous connaissez l'Advent of Code. C'est un truc qui arrive tous les ans. C'est un calendrier de l'avant, mais ce n'est pas des chocolats, c'est des exercices de code. Et c'est rigolo. Donc, c'est un mec qui fait ça et… Il y a beaucoup de, gens qui, beaucoup de gens qui se butent dessus. Et nous, on avait commencé l'année dernière, on l'a fait aussi cette année. Moi je l'ai fait en Python cette année. Et bah, c'était pas forcément plus rapide, mais euh, on s'est rendu compte que les mecs qui le faisaient en Rust, parce qu'il y a 2-3 dingos chez nous qui le font en Rust, euh, ils sont dans les ouais. millièmes de microseconde, alors que nous sur du node, on est facilement à la seconde, etc. Quand c'est des exercices où il faut calculer beaucoup de trucs. Et typiquement, enfin. tu un peu comme un, comme un cochon, tu en payes euh, d'autant plus le prix. Et pour finir, si euh, vous n'aimez oui. pas Node, mais que vous avez quand même envie de faire du JS côté back, ou du TypeScript surtout, ouais, vous avez des alternatives qui sont ouais. Deno et Bun très ouais. récemment, tu vas en parler du fait euh, Oui, je peux en parler rapidement. Bah, Deno euh, typiquement c'est euh, Ryan Dahl, qui euh, de de Node.js. le créateur de Node.js, qui, euh, qui a dit du coup Node.js, euh, il a expliqué en plus dans une conf euh, où il disait euh, les, les 10 choses que je regrette de Node.js, et il annonçait euh, Deno comme ça. Donc, euh, il y avait sept euh, choses euh, en finale dans la liste. Hein il, il dit il que... 10 choses mais il n'y en a que 7. Oui c'était vraiment euh, histoire, de, histoire de poser son... <laughs> euh, et du coup bah, Deno, il euh, y a 2-3 concepts euh, qui changent. Euh, je vous laisserai voir de toute façon, c'est sur des, sur des nouvelles euh, Land. Et il y a, y a Bun.sh ben, euh, qui se dit euh, ultra fast, euh, etc. Euh, par contre, il faut faire attention, pour l'instant, c'est qu'en version bêta, je crois que c'est 0.5, quelque chose comme mmh. ça. Donc, euh, c'est encore en. C'est quand même encore en, en dev, mais voilà, il se dit. Euh... Mais le même diff de, des deux, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui tourne sous V8. En tout cas, Abun, il ne tourne pas sous V8, il a son propre euh, JavaScript Engine. Oui, euh, des de, de de nous, c'est V8. Des de oui. de nous aussi ouais. de nous, c'est V8. Donc, en gros, ils se disent que V8, qui est maintenu par Google, ce n'est pas suffisant, donc ils font leur propre truc. Et force est de constater que pour des tests de perf HTTP, typiquement ce que vous faites très souvent avec des, des appli Node, bah c'est plus rapide. Après, c'est plus rapide sur leur page d'accueil de leur site. Attention parce que Hello World. <laughs> vous faites un Hello World. Si okay. vous, avez, vous faites des requêtes qui vont chercher 3000 trucs dans Redis, puis 3000 trucs dans Mongo, puis ceci, cela, faudrait faire le test. Mais ça se veut comme étant plus rapide et plus moderne, mais bon, comme je disais tout à l'heure, tranquille. C'est terminé. <laughs> Merci, fin. Merci à vous. Est-ce que vous avez.